aime pas, je rassure. Non, non, mais donc personne. Moi, j'ai jamais fait la promotion ni de l'UMP ni du PS. Donc vous parlez fort, mais vous n'accumulez que les défaites depuis 30 ans et vous êtes au bas de l'échelle communautaire en France. C'est-à-dire que vous pas du tout. Vous n'avez ni la culture de l'indépendance ni le courage de l'indépendance. C'est moi ce que je vous reproche parce que je vous connais bien et que je vous fréquente depuis des années, Ouma, les musulmans, etc. C'est vous parlez fort. Et dès que vous êtes face au... Je n'ai pas oublié ça. Ce que j'ai constaté souvent chez les Maghrébins, vous parlez très fort et vous êtes une lâcheté sur le terrain inouïe. Je l'ai constaté, je cherche... De quel droit ? On a toujours l'impression que vous avez traversé la Méditerranée hier. Vous n'avez accumulé que les échecs. Vous êtes un loser, d'accord ? Donc moi, je dis à un moment donné, à la limite, vous ne faites que ramper en réalité. Ah non, alors rassurez-vous. Dans la vraie vie, bien sûr, pas du tout. Vous n'avez rien. Pas du tout. Vous n'avez aucun directeur. Si je rampais, j'aurais un poste. Musulmane est la deuxième communauté de France en nombre. Elle a une légitimité sans doute bien supérieure à d'autres par rapport à ce qu'est le sang versé, etc. Elle est au bas de l'échelle en réalité du pouvoir. Ça changera, monsieur Soral. Ça vous ne l'avez pas. Non, mais arrêtez. Vous êtes assis dans les chiottes. Arrêtez. Dans le salon, vous êtes dans les chiottes. Non, je suis désolé. Je suis assis. Vous êtes au fond des chiottes. Mon combat me permet d'être. Arrêtez de me dire que les chiottes, c'est le salon. Attendez, à cause de qui ? Les sionistes sont dans le salon. Les sionistes sont dans le salon. Le Front National dans la salle de bain et vous êtes dans les chiottes. Et le PLPS sont dans les chambres à coucher. On le dénonce, ça. Et ça fait 40 ans que vous êtes dans les chiottes. Masochiste, monsieur Soral. Oui, ben sortez les chiottes. Masochiste. Okay. Je suis. C'est pas Marine Le Pen qui vous empêchera de sortir les chiottes. Se faire leur place en France, parce que c'est même mon intérêt à moi de patriote français. Je l'explique. Allez. Vous demandez qu'on vous donne le pouvoir pour des raisons morales. Prenez-le, le pouvoir. Je termine. Vous êtes incapable de le prendre. Adélise, conclue. Pression réelle. Et la France est opprimée aujourd'hui. C'est un territoire occupé. Hein, on l'a vu. Pour la libération. On l'a vu avec l'affaire de Toulouse. On l'a vu avec l'affaire de Toulouse. Comment ça s'est passé? Voilà. Moi, je voudrais libérer la France. Et je voudrais que nous le fassions ensemble. Et après, ça serait...